وقل رب زدني علما. Le poète il a dit العلم صيد والكتابة قيده. Il a dit que la science c'est une proie. Le poète il a dit العلم صيد. La science c'est comme une proie. Vous savez c'est quoi une proie quand on va à la chasse, quand tu vas à la chasse. Hein, il a dit العلم صيد. Il a dit la science, les assises là, la science que tu vas, c'est comme une proie. Comme quand tu vas à la chasse, tu vas chasser une gazelle ou un lapin ou ce que tu veux. Il a dit والكتابة قيده. Il a dit et l'écriture, le fait de prendre des notes. C'est ça que j'ai besoin. Il est important de prendre des notes. Soit tu écris, soit tu enregistres. C'est très, très important. Il a dit, la science est une proie. Et le fait d'écrire, c'est la corde avec laquelle tu attaches ta proie après l'avoir attrapée. L'écriture, le fait de prendre des notes, c'est la corde ou le fil, ce que tu veux, avec laquelle tu attaches ta proie après l'avoir attachée, après l'avoir capturée. Il a dit, قيد صيودك بالحبال الواثقة. Il a dit, attache bien ta proie avec une corde solide. Attache bien ta proie avec une corde solide. C'est-à-dire, et maintenant, quand tu prends note, écris bien avec une écriture claire que tu peux relire. N'écris pas en brouillon, n'importe comment. Quand tu pars, tu ne peux pas relire ce que tu as appris. Il a dit, ومن الحماقة أن تصيد غزالة. Il a dit, ça fait partie de l'idiocité, ça fait partie de la bêtise d'attraper une proie et ensuite de la relâcher. وَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكُهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ الطَّارِقَةِ. Il a dit cette partie de l'idiocité, tu vas à la chasse, tu as attrapé la proie. Et ensuite, après l'avoir attrapée, tu ne l'as pas attachée, mais tu la relâches. Il a dit la science, c'est comme ça. Quand tu vas assister à des cours, à des dars, hein, que ce soit d'arabe ou de Coran ou d'assises religieuses, c'est comme tu vas à la chasse. Tu dois t'armer. Bien sûr, armé de sincérité, avec un stylo, une feuille. Maintenant, quand tu es parti, quand tu as chassé, et la science que tu as chassée, les fawaïd, les paroles bénéfiques que tu as eues à la chasse, attache-les bien, c'est-à-dire note, écris ce que tu apprends de nouveau. Ne va pas à la chasse, tu attrapes la proie, tu entends qalallah, qalallah, et les paroles bénéfiques des savants, tu l'as attrapé, mais tu n'as pas pris note, c'est comme si tu l'avais relâché. Ça, c'est une grande perte. Vous avez compris la parole du Shahid?